L'augmentation continuelle du nombre de voyageurs, du trafic ferroviaire et des vitesses toujours plus élevées nécessite un principe de sécurité performant et efficace. Au CFF, ce principe, ou plutôt cette philosophie de sécurité ferroviaire, est indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Elle unit des hommes à des techniques, des compétences à des priorités, des responsabilités à un dynamisme constant. Du point de vue technique, c'est d'abord une multitude d'installations anciennes et modernes, grandes ou petites, mais d'une complexité réelle. Elles sont aussi bien répandues en extérieur qu'en intérieur. Dans les installations extérieures sont regroupés tous les systèmes disséminés un peu partout dans les gares et tout au long des voies. Néanmoins, ces systèmes disposent d'une fonction de sécurité bien particulière. Ainsi, les techniques telles que la signalisation ferroviaire, les arrêts automatiques de train, les moteurs d'aiguillage, les détecteurs de voies occupées, les compteurs d'essieux et bien d'autres encore composent ces installations de sécurité extérieure, appelées également installations en campagne. La commande de ces systèmes est réalisée à partir d'un pupitre de commande propre à chaque gare. Elle permet la réalisation et la visualisation de chaque parcours de train. Mais ce monde de sécurité ne prend seulement forme qu'au sein des locaux techniques. Ici, installations électriques et électroniques conjuguent leurs circuits afin que tous les ordres et informations externes, une fois traités, autorisent la création d'un parcours de train. De ce fait, chaque train ainsi que son parcours prescrit sont assurés et contrôlés en permanence par une multitude de systèmes de sécurité différents. Philosophie de sécurité ferroviaire. La maîtrise et la responsabilité de ces techniques sont sous le contrôle IS, ou Service des installations de sécurité. Au même titre que les autres départements techniques, tels que les services de la voie, des télécommunications et basse tension, des lignes de contact, ainsi que celui des ponts, le service IS a son siège central au bâtiment administratif de Lausanne, et ce pour le premier arrondissement CFF. Une trentaine de collaborateurs, sur les 250 que compte le service, y travaillent. Leur tâche consiste à élaborer de nouveaux projets, à établir les programmes de maintenance, à prévoir et préparer les modifications d'installation. Ce team, composé d'ingénieurs et de dessinateurs, s'occupe également de la coordination avec chacun des 12 différents secteurs d'activité répartis uniformément au sein du premier arrondissement. Genève, Lausanne, Sion, Brigue, Vienne, Berne, Neuchâtel, Fribourg, Payerne, Delémont sont des centres régionaux où, à chaque fois, le département des installations de sécurité y a détaché une équipe d'action.
Chacun de ces groupes, composé de serruriers, de mécaniciens, d'électriciens et d'électroniciens, a un effectif de 20 monteurs spécialistes IS. Leur fonction ? Maintenir les installations dans des conditions de service optimales, exécuter les travaux de modification, intervenir pour tous les dépannages dus à des erreurs de manipulation ou à des défaillances techniques. Un rayon d'action de 30 km délimite chacun des secteurs. Chaque secteur dispose d'une certaine autonomie pour tout ce qui a trait à sa structure organisationnelle. La coordination entre la direction et ce groupe détaché est assurée par le chef de secteur et son adjoint. Tous deux sont des monteurs spécialistes IS expérimentés. Les tâches de gestion et d'administration du groupe leur ont été attribuées. Une de leurs fonctions particulières est de planifier le travail hebdomadaire ou quotidien. 01-002-03-04. Les différentes activités sont en général réalisées par de petites équipes composées de deux monteurs IS. Ceci est dû, en partie, au nombre limité de collaborateurs et à l'importance numérique des installations. Le profil de ces spécialistes de la sécurité se résume en trois mots. Dynamisme, polyvalence, responsabilité. Mais c'est aussi un esprit rapide de décision. Être confronté et s'adapter à des installations dont les configurations sont totalement différentes de l'une à l'autre, c'est également un intérêt particulier pour la technique et les systèmes complexes. Propre au monteur IS, la formation continue tient une part prépondérante. Régulièrement, jeunes et moins jeunes suivent des cours de perfectionnement ayant pour programme formation de base des nouveaux collaborateurs, instruction de fonctionnement de nouvelles installations ou nouveaux systèmes, simulation de panne et dépannage. L'émetteur, vous avez le récepteur et là l'unité de vie. Ces cours donnent également lieu à des échanges d'expériences, de connaissances et un contact entre collègues de différents secteurs.
revoir. Merci bien. Plus qu'une simple fonction, la sécurité ferroviaire exige de ses collaborateurs un engagement maximal. Efficacité et responsabilité animent l'esprit d'équipe de ces hommes méconnus du rail. Notre stratégie, des hommes responsables, une technique irréprochable. Notre objectif, la sécurité.